Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de j'allais dire Darkest Dungeon hein, mais vraiment non, non. Wartail. T'es pas loin, et il y a aussi Shinai, hein, comme d'hab. Et en compagnie de Shinai, hein, que vous pouvez retrouver tous les soirs en live de 23h à 6h du matin, non-stop, engagé, satisfait ou remboursé. Voilà, démerde-toi avec ça maintenant. Merci. Non, et comme d'habitude, comme je le dis tout le temps, c'est les... Parfait. Ce sont les mardis soirs, jeudi soir et samedi soir qui sont organisés. Et après, il y a des lives un peu à gauche, à droite. Comme hier, j'ai fait de 3-8h à 14h du donjon de Nalbuk. Pas loin, dans ces eaux-là. Alors, est-ce que le jeu, il est pas mal ou il est pas mal? Je me suis régalé. Il est bon, hein. C'est du bon jeu, hein. Je pourrais bouger mon capitaine, mais je perdrais ma riposte. Par contre, c'est trop bien que du coup, il se retourne pour quand même coller un coup de bouclier à tire ce connard qui traîne. Ça, c'est trop bien, ouais. Hein. J'aime bien ce bouclier, moi. Ouais, je suis assez fan. Hein. Ça a l'air de rien, mais les petits dégâts en plus, là, ça fait le taf. Hein. Ça fait grave le taf. Carrément, carrément. Ouais, moi, je pense pas. À moins que tu veux que je l'embrouille au corps à corps. Le shield. Oui, ça va peut-être t'arranger. Ouais. Plus ou moins, oui, mais il va t'embrouiller juste après, donc il n'y a pas de. Il m'embrouille quand, lui? Parce qu'en fait, vu que là, on a beaucoup de points, on va dire plus ou moins gratos en rab. J'étais en train de me dire, je peux utiliser une petite provoque sur lui, ça nous coûte un point, ça me rend un point. Oui, bon, et au moins il est affaibli quoi. Vas-y. Hop, voilà, gratos. Du coup il est gratuit. Et là moi je vois un monde. Je vois un monde où il y a un os de barbe qui vient se caler derrière là. T'as vu, il existe un monde où le gros derrière il se régale quoi. Je suis obligé de venir là par contre, parce que le mouvement c'est plus trop ça. Ouais. Oula. Oula, il y a mon beau mur avec, hein. Peut-être pas le tabasser, non? Il a la course, os de barre, donc tu peux peut-être le non, passer. Je peux plus. J'ai plus course. Ah, plus course. Oui. Ah, plus rien, hein. Désolé, mon capitaine, hein. Bon baiser de Russie, hein, capitaine. J'ai beaucoup d'estime pour vous, mon capitaine. Et tu vois, c'est presque pas rentable, en fait, d'avoir seulement la... Bah là, à nouveau, bah je tue rien. Je tue de toute façon, tant que cette arme sera pas augmentée, je continuerai à ne tuer personne en Harley Davidson. Ah, il y a des archers. Peut-être ça peut intéresser une mobilette. T'as une mobilette, là? Une mobilette avec une torche, par exemple. J'ai une mobilette avec une torche. Parce que je suis quelqu'un. Alors attends, ça me donne quoi? 10 de dex supplémentaire? Ah ouais, d'accord. Ah, ça proc à chaque fois l'huile de promptitude. Pas mal. Ça se cumule? Non, elle se cumule pas. Hein. Je crois pas. Hein. Je sais pas, je vois 3 sur toi là. Si huile de promptitude, tu l'as 3 ou alors pendant 3 tours, du coup, ça te l'a fait? Je pense, ouais. Ça va être pendant 3 tours. Ouais, parce que si elle se cumule. Et jusqu'à un maximum de 3, visiblement. Donc ça te l'a chargé à fond. Ok. Ok, bah la première mobilette a fait le taf. Après. Qu'est-ce qu'il joue après? Il y a un coutelier qui joue. Alors, bah attends, je peux utiliser Taurus. Avec Taurus, je donne des points à tout le monde, je l'atteins, je le tue, on n'en parle plus, quoi. Vas-y. Ah, c'est presque dommage d'utiliser la première attaque de Taurus pour ça, en vrai. De quoi? Ah oui, pour le mec qui a presque plus de PEV. Ouais. Ah, mais je peux l'utiliser sur le mec qui est engagé aussi, hein. Oui, bah... Je peux venir là, tuer ce gars-là. Attaque de flanc. Il est encerclé, j'utilise mon courroux dessus. Il est mort avec un coup. Tu gagnes la fureur et tu vas lui tabasser la gueule. Exactement. Si ma souris veut bien. Je suis avec mon meilleur ami, mon capitaine. Ça sert à rien même que je gaspille ça sur lui. Donc juste utiliser mon attaque de base. En critique. Il est mort. Est-ce que j'ai encore assez de mouvement? Malheureusement non. Sinon j'aurais pu aller embrouiller l'autre connard. Parce qu'il me restait mon attaque à 3 gifles. Hein.
Tu vois, par contre, sur Nalbach, j'ai choisi totalement différemment le... J'ai fait vraiment une elfette, mais mode dégâts. Elle a pas le bisou, elle a pas de soin. J'ai viré le soin. La tristesse. Bon, bah, les couilles. Ah bon, franchement, non. Franchement, pas du tout, là. Ouah. Tu gagnes elle au change du poney. Ah ouais, elle rock du poney. Hein. Et en fait, j'ai pris la paladine, donc j'ai pas besoin de support. Oui, mais bon, du coup, t'as quand même un soin en plus parce que t'as la paladine. Mais moi, j'ai pas la paladine, donc j'ai une action en moins dans mon groupe tout court, en fait. C'est ça, mais la paladine n'a pas de soin. Par contre, moi, il y a un truc que je ne comprends pas dans le jeu, c'est... Tu sais, t'as deux cases de déplacement. Est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qu'on tabasse? Juste... Oui, je suis en train de regarder. C'est lui qui arrive, donc le malfaiteur est pas très important. Est-ce que tu veux que je profite de prendre ma vigue pour aller embrouiller le maraudeur au close? Ma vigue, elle peut l'atteindre? Ah ouais. Ah non, je parle pas celui qui est là. Lui, on va le laisser galoper. Hein. Moi, je parle d'aller sur lui, je l'embrouille, comme ça, il te monte son dos déjà, tu vois. Bah, j'enverrai une petite mélanine, vas-y. Elle joue pas d'habitude. Parce que pour l'instant, il se passe rien d'autre. Mais vas-y, on t'écoute. Hein. Eh ben, chose intéressante, le... Comment ça s'appelle ? La paladine, elle a juste de la parade. Et la parade critique est juste trop forte, en fait. Oui, parce que tu ripostes. Ah ouais, tu ripostes à chaque fois. Ouais. Attends, le prochain à jouer, c'est... Et elle donne des gros bonus aux deux bourrins du groupe. Le prochain à jouer... C'est un archer. Si tu veux aller l'embrouiller avec un... Je peux aller l'embrouiller avec un Stevie. Stevie. Mais le problème, c'est qu'il finira pas à côté de quelqu'un. Il finira à côté de l'ennemi. Il verra le blanc des yeux de l'ennemi, pour une fois. Faut le mettre à côté si tu veux qu'il soit engagé. Ah, ouais. Mais je fais plus de distance si je suis pas au contact. Non. Si. Non. Quoi? Ouais, non, la lance ne fait pas plus de dégâts si t'es au contact ou à distance. Celle-là, non. C'est la lance de base. Je pense que tu mens. C'est écrit. De toute façon, tu ne fais déjà pas de dégâts. Kiné est pas faux d'ailleurs. Waouh, la mistre. Toujours plus de dégâts qu'un archer, t'es méchant. D'ailleurs, en parlant d'archer, je vais peut-être jouer un Zinlen. On a des points. Alors, Ah oui, pour faire une flèche de groupe. Ouais, c'est ça. Vas-y, carrément. J'essaie d'avoir les trois, mais ce sera pas faisable. Donc je vais taper les deux qui n'ont pas encore joué. C'est plutôt pas mal. Tu peux zoner et puis t'es bien. Hein. Bon, de toute façon, ils seront obligés de passer dans ta zone, t'avais pas besoin de te rapprocher. Hein. Voilà. Il a décidé de pas bouger davantage. Le mec a un instinct de survie. Il fait un peu froid ces temps-ci. Il reste toujours les connards dans le sud qui vont jouer un moment donné ou un autre. Mais je te laisse tuer ce maraudeur. Il est où celui qui doit jouer? Eh, il y en a un qu'on voit pas. Ouais, il y en a un qu'on voit pas. D'accord, donc il est dans le brouillard. Ok, et les deux Ok, ceux du bas ils jouent en dernier. Si Mélanie veut de défoncer le celui qu'on voit, hein, puisque celui qu'on voit pas, malheureusement, te dire on le voit pas. Ouais. On va bien être dans le brouillard. Peut-être du même mieux positionner sa zone, Zinon, parce que là, vu qu'il a un peu mangé un arbre avec, si le gars sort de du brouillard pour lui taper dessus, un peu mal le vivre. Est-ce que j'utilise le dernier point ou je laisse cadavre comme ça? Ah non, tu le laisses cadavre comme ça, non, parce que là, les deux, on peut les conserver, hein. Oui, c'est pour ça que... Hop, je vais juste me libérer la portée. Si tu lui donnes supporter... Ah bah, ok, l'autre, il était dans le brouillard, là, ça marche. Ok. Ah, c'est dommage, il me manque un point pour bien faire. Je peux jouer une tirailleuse pour générer un point, si tu veux, sur lui. Vas-y, et essaye de grouper, voilà, c'est ça, tes archers, parce que l'idée, c'est de ramener Will... Pour vous donner l'ordre sur les archers.
hein, sur ton groupe d'archers. Ok. Est-ce que tu veux que j'envoie Denal dedans ou pas? Non. Ah oui, si, vas-y, rapproche-toi, ouais, si, rapproche-toi. Voilà, cale-toi, non, à côté de... Ouais, attends, tu... Là, tu seras trop loin pour moi, tu seras trop loin, je pourrais pas y aller, non, mec. Hein. C'est juste... Bah oui, mais... Oui. Ah oui, pour pousser le gros de... dans les flammes, bien vu. Et ouf, 111. 111 sur un mec qui a un shield. Ici ou... Ouais, un peu plus oui, par là. C'est bon, on n'est pas au millimètre près, par contre. Hein. Mais oui, on est... Parce que je t'attends, en fait. Voilà. Et... On va peut-être falloir l'aider lui. Je vais envoyer une mobilette au prochain tour. Mobilette. Je vous soutiens émotionnellement et moralement, car je suis votre lieutenant préféré. Alors émotionnellement, sur Dylan, je suis pas sûr. J'entretiens son désespoir. Oh. Voilà, vous avez laissé mourir Stevie. On... Attends, t'as laissé mourir Stevie. Il y a une mobilette qui arrive pour le soigner. Ouais, c'est tac 2 points. Hein. Réfléchis ce que tu vas faire avec. Hein. Est-ce que. Oui, ou tu peux la jouer. Ouais, on a le temps. Yes. Oh, c'est une aide à un ami, ça compte. C'est que ma troisième aide. C'est que mon. C'est... Putain, c'est que mon troisième personnage qui tombe à 0 PV. Ah, pas de critique. Je suis un peu dégoûté. J'aime bien quand même quand, comment le jeu nous avait passé de dieu vivant à sombre merde. Ouais. En termes de... Ah mais non. C'est pas toi que j'aurais dû aller buter. C'est toi. Je suis bête, moi. La meuf qui se balade vraiment partout, en fait. c'est trop génial, je trouve. Ouais. Ça mettrait combien de dégâts, ça? Mais continue à taper sur le maraudeur enflammé, hein. Le maraudeur. Un maraudeur. Boum. Oh, c'est dommage, c'est pas critique. Hein. Dommage. Bon, après, il lui reste 12 points de vie, je suis sûr de le finir avec Stevie, hein. C'est ça le truc. Ok. Ok, c'est... ok. Voilà. Bon, lui meurt, hein. Ah non, toujours pas, hein. Ah, il veut pas, hein. Ah, si, ça y est, maintenant il veut bien. Il était pas mais très le, coopératif le monsieur, hein, j'ai l'impression. Le 112 dans la gueule. Hop, je vais déplacer ce monsieur. Je vais faire. Ah merde, putain, on a plus de points. T'as tout bouffé. Ah putain, avec tes connards qui bouffent tout là. T'es gros là. T'es obèse de la bouffe. Bon, au moins, il est engagé. Par contre, dès qu'il va me frapper, il va me tuer. Hein. J'annonce. Oh, le capitaine, il a un move, bah, mais le capitaine, il a pas le heal. Ah. Voilà. Capitaine no heal. Je suis en train de regarder dans les gens qui ont du heal. Hein. Oui, mais genre, j'ai pas de move. Il nous manque un mec à la hache, en vrai. Hein. Un petit gars en armure lourde qui donne l'inspiration à tout le monde pendant un tour. Il ça va m'emmerder avec son aspiration pourrable. Hein. Inspiration, ouais, peut-être, hein, mais. On va voir avec Taurus, hein, faut demander à Taurus. Bah, y'a personne, hein, donc. Si jamais t'as un archer qui peut réussir à le tuer, mais je pense pas que t'arriveras à tuer ce gars-là, mais de toute façon, c'est pas le moment, faut tuer les autres. Sans utiliser de points, non, j'y arriverai pas. À part si tu veux jouer Denal là. Non, arrête d'utiliser des points. Et Denal, elle est juste en générer deux en fait. Oui, mais de toute façon, je peux pas courir avec le capitaine. Je l'ai juste ramené pour avoir l'effet de support en espérant que ça sauve la vie de mon gars. Que l'archer ne lui fasse que 5 dégâts et pas 7. Vas-y, tu peux jouer dédénal. Dédaigneux. Bon, ce sera toujours ça. Mais non! C'est pas grave, Ben si, Tirailleuse aurait pu le tuer, ça nous aurait pris, gagné, fait de gagner 2 points. Non, Tyrius va pas faire ça. Justement, elle va s'éloigner un peu. T'as demandé à ce que... Ah, tuer celui-là, là. Ouf. Oh, est-ce que t'arrives blague à le tuer? Non, il me manque un mètre, un millimètre. Mais oui, de c'est pour ça que c'est dommage. Alors, je t'explique pourquoi. Parce qu'Edenal, il peut courir. C'était oui, le plus en arrière et il pouvait courir. Ouais. Il avait la portée et tout.
là par contre ça commence à piquer. Stevian va mourir pour tes péchés. C'est ce qui va se passer. Hein. Si tu veux tuer avec Mélanie, j'ai pas, hein, on n'a pas besoin du monsieur cadavre. Hein. On peut le finir tranquillement. Voilà. Tu vas jouer. Moi je te fais un. Ouais, je te fais un pack. Hein. Je te fais un pack de tank. Et Stevian est mort. Adieu Stevie. Bon. Juste mourant, ça va. Oh. Je te laisse jouer. Waouh, je suis juste mourant, ça va quoi. C'est beau ce que tu dis, mec. Alors je vais nous replacer en quincon. Voilà. Ouais. J'ai. On a encore un jouet. Parfait. Histoire qu'ils se prennent une petite flèche. Dommage, c'était pas un crit. Ça aurait été un crit. Nous mourrons pour tes péchés. Zinlen. Le peuple. Je peux en toucher. Mais alors, un paquet. Non. Ah si. Ah si, YouTube veut voir ça. C'est une fausse bonne idée. Est-ce que tu crois qu'il y a un succès qui s'appelle Trahison? Franchement, moi là, je l'entends la chanson pour un peu. Ah, je suis tellement tenté, putain. Bon allez, je vais pas le faire, mais vraiment, c'était tentant. Je sais qu'on a pas énormément de remèdes. Non ! Stevian doit mourir ! C'est son destin. Stevie ! Non ! Et claque pas de... Zidlen à la rescousse ! Garde les points pour qu'on puisse le soigner. Ah bah j'allais le buter en fait. Ouais, bah crame-le, hein. Mais y'a pas de soucis. Mais pense qu'il faut garder un point... Ah oui, non. Non, j'aurais aimé qu'on le soigne avant. Non, je te d'accord. Le dis. Parce que 1, ça va me déverrouiller un jour un succès que j'ai. Et 2, si on peut full le soigner avant qu'il crève l'autre connard, on a tout gagné. Si on, je rappelle, si on passe au-dessus de 50%, on n'a pas de remède à sortir. Je ne peux pas le soigner avec Sophia. Quoi? Pour la simple et bonne raison que sinon l'autre il meurt. Je balance un couteau, hein. Ah oui, putain, tu fais chier. Mais je peux amener Zinlen si tu veux. Zinlen il a du soin. Ouais, il a du soin. Ah, let's go. Tirailleuse aussi. Ah oui, ils ont tous du soin. Ouais, j'ai gagné de l'aide. Ouais, bon, on le montrera jamais. Les autres ils atteignent ou pas? Bon, je crois que tu peux le tuer. Tu peux le tuer, Stade Samu. Ouais, tu peux le tuer. Ok. Flèche enflammée. Pas mal. Sur l'attaque de base, mettre du 116. C'est acceptable. Oula. Oh, des cordes. Des cordes, monsieur. Est-ce qu'il vient pas de répondre à un fantasme, le jeu? Je prends des trucs, mais je vais regarder la masse pour la fifi, là. J'ai pris les juste pour voir. A plus 11, les masses que tu me donnes, c'est du plus 13. Oh, putain. Bah, c'est déjà mieux, hein. C'est déjà mieux que la merde que je lui ai forgée. Tenez, voici une merde. Voici des basses en rab. Attends, elle fait du combien? Plus 13? Ah oui, mais je crois que je suis quand même mieux, je suis à plus 27 je crois. Continue. Ouais, continue. J'ai pas réparé. Ah, on est trop lourd. Wow, on est trop lourd. Je te laisse désosser des trucs et des machins. C'est exactement ça que j'allais faire. Moi je vais réparer un gars ou deux. Voilà, j'ai réparé et même pas à fond le capitaine. ça peut peut-être s'arranger. Commence à faire pitié. Hein. Tiens. Merci. Ouais, bah répare un capitaine. Hein. Capitaine réparé. Suivant. Mais pourquoi on a besoin de cordes là, rappelle-moi? Je sais pas, mais on a des cordes. Alors c'est à toi de me dire, hein. c'est toi le bouffeur de cordes, moi j'utilise pas de cordes. C'est toi qui suce des cordes normalement, donc j'en sais rien. Je pense qu'on peut aller dans le compendium, on aura des tas de réponses. Dans la partie atelier. C'est pas dans la partie atelier qu'on cherche la réponse? Ah si, c'est pour le poteau d'attelage je crois.
Alors t'as déjà la tente, tu possèdes... Non, arrête de me parler de recettes qu'on n'a pas encore. Tu as une recette pour la tente que tu n'as toujours pas faite. Hein. La tente une étoile. Hein. Toujours pas fait. Voilà. C'est vrai. Il te fallait 4 cordes. J'ai du métal si jamais il t'en faut, mais... Il me manque une corde. Voilà. Là qu'on parle de trucs de l'espace, on a même pas fait la base. Pardon. Attends, on va voir ces gens là. Hop, le petit marché qui est ici. Je crois qu'on a déjà tout pris. Hein. Non, mais c'est pour me débarrasser. Ah. Parce que j'ai une baballe. Peut-être qu'avec ça on peut se déplacer. On peut pas se déplacer. Nous sommes trop lourds. T'as pas des merdouilles là à lui vendre là? Moi en tout cas j'ai des marchandises à lui acheter hein, si jamais. Hein. On est déjà trop lourd mec. Faut pas le savoir, ça c'est ton problème. Hein. Fallait y penser avant. Moi je sais juste que mon destin c'est d'être un marchand avant tout. Tiens voilà. Quoi? On est plus léger là? Oui on est plus léger. Ah, vraiment de rien. Ah ça veut dire que je peux acheter des marchandises? Non! C'est honteux hein. C'est honteux hein. Bon, il fallait qu'on aille. Oui, on suit ce chemin devant nous, mais on n'a pas fouillé la forêt. Hein? Bonjour madame. T'avais pas besoin de haricots toi pour un plat? Alors, si. Mais j'ai cuit tout le porc pour essayer de gagner de la place. Donc je vais rien prendre puisqu'on n'a pas de place, mais sinon ça aurait été avec plaisir. J'aurais bien fouillé la forêt, voir s'il y a des trucs. Comme d'habitude, poser des escroqueries. Bonjour, est-ce que je peux poser un piton? En plus ça nous allégera. Tiens, voilà, hop, un piton. Piton de l'arnaque. Attends. Ah, il y a la justice par là, il y a Batman. Ah bah tiens, il y a des cochons là. Non, mais on est déjà trop lourd. On est déjà trop lourd. Oui, je sais, mais... Mais visiblement, les cochons, ils veulent pas le savoir. Hein. Non! Mais... Non! Oh, on est à côté d'une ville. On vendra la viande. Oh là, putain. On vendra les morceaux. YouTube veut voir des combats porcins. C'est ce qu'ils m'ont dit à Skip. Skip la machine. Ouais, on peut ramener ça par là. Il est où, mon beau capitaine? Ah, il est là. Bonjour, mon beau capitaine. Ah, mon beau capitaine. Il lui mit de mon chemin. Mi-ours, mi-bourrin. Voilà. Premier cochon à jouer, ouais. Il est très loin. Eh, c'est nul, hein, le truc que je t'ai forcé à prendre. Hein, avec hop là. Voilà. J'ai des arguments. Permettez que je joue os de barbe puisque je peux pas dépenser de points. Vas-y. Cool. Trahison. Destruction. Gros marque de tampon sur Tom Fien. Voilà. Fini. Je vais quand même m'avancer un peu. Ça, je vais forcer l'autre porc à venir en contact. Ah non, mais c'est un qui court maintenant, ces connards de porc. Putain, j'avais oublié qu'ils avaient une charge, ces gros débiles. Mmh. Voilà. Dommage. On va en tuer un et non, on a pas de points donc je te laisse en donner. Vas-y. C'est fait, tu as des points maintenant. Yes. Tu peux donc t'en servir. Je vais faire corps avec notre unité. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Taurus n'a toujours pas de bouclier, rien. Oh, faut se court. Ça sert à rien que j'aille jouer là-haut avec les inlaines. Hein. Faudrait que j'aille jouer en bas, de ce côté-là. Petit souhait, c'est un... Avec Zinlen. Bon, en même temps, Zinlen, ça sert à rien. Tu m'as dit de jouer les archers en premier, donc je joue les archers en premier. Hein. Je sais pas, tu fais ce que tu veux. Hein. Pourquoi en haut il sert à rien? Pourquoi? Parce qu'il va tuer celui-là, il va enflammer celui-là. Bah. Oui, donc tu gagnes un point. Ouais, ouais, non, mais ça sert à rien que je mette une zone déjà, c'est ce que je veux dire. Ah, une zone, oui, parce que t'en tueras pas 8, mais bon, de toute façon, Zinlen est incapable de tuer quoi que ce soit, donc. YouTube ne voit pas où est le problème. Mm-hmm. Ou Dash en PLS, quel plaisir. Figure-toi que j'ai ma commu qui s'est exprimée, ils m'ont dit des mots très gentils. Bon, ils m'ont dit de faire des best-of. Bon, ils m'ont dit de faire des montages, mais bon. Alors, il faudra que je marque quelque part un jour que c'est pas le concept. Hein. C'est pas le concept du montage. Il y a même des gens qui pensent que c'est des rediffs de live.
Non, non, c'est vraiment juste parce qu'on tourne entre potes, hein, c'est vraiment tout. Est-ce que Zindan a pris en compte le fait que les ports pouvaient faire le tour? C'est à peu près sûr que oui. Je suis sûr que Zinlen a conceptualisé que les ports pouvaient venir attaquer Taurus. Oui, mais étant la cible la plus facile à attendre, ça, c'est moi qui vais venir. Voilà, ça c'est mon cadeau. Merci. T'as la brutality. J'ai même envie de t'amener un autre lieutenant pour te filer le boost l'ordre. Ok, vas-y. Et puis de toute façon, je peux pas aller plus loin avec mes gars. C'est maintenant qu'il fait critique. Non, 195 PV sur un mec qui a un point de vie. La vie de l'IA de Darkest Dungeon, très utile. C'est ça. Étant donné qu'il y a personne qui joue là-haut, est-ce que je peux me permettre de jouer un Taurus et de vous filer un point à tous? Vas-y, car je prends un Taurus, je mets un Taurus ici, et il vous dit qu'il est général à la place du général. Comment ça? Lieutenant loin, comment ça? Le général, c'est en dessous du lieutenant, c'est genre maréchal des logis chefs, non? C'est bon. Moi, je vais aller récupérer 2 points en en dépensant peut-être seulement 2. Bon, on a du point, tu peux y aller. Mais effectivement, il faut te rendre justice, tu avais raison. Cette table de niveau 2 là, nous a bien dépanné quand même. Hein. J'ai comme l'impression que Sophia est vénère. Non, ça va. On va peut-être pas l'embêter trop. C'est ça, souffre. Ouais. On peut faire ça. Mange pas de pain. Ils sont loin les cochons. Hein, donc, Ils sont encore plus loin. Vas-y, je suis sûr que tu peux encore le mettre plus loin. Vas-y. Pousse. Non, j'ai plus la portée. Mais t'as la possibilité d'avoir la portée. Oui, mais ça serait dépenser des points inutilement. Oui, mais on a plein de points. Alors, quand c'est pour les claquer pour Zinlen, y'a aucun problème. Il ne sert à rien. À part faire des critiques à 840 sur des ports qui ont un PV. Bah là, il en a buté un de port. Ça a généré 2 points. Mais vas-y, on est plein de points. Tu peux utiliser tes points avec les archers. Régale-toi. Vas-y, hein. Voilà. C'est bien. Sophia, je suis désolé, mais tu ne sers à... pas Sophia. Mélanie, tu ne sers à rien. Oui, tu l'as placée pour qu'elle ne serve à rien. C'est dommage. C'est même pas que je l'ai placée qu'elle ne serve à rien. Bon, tu peux la placer après devant Mavic déjà, hein, pour aller... Il y a 4 ports encore à soulever. Hein. Ouais. Je vais mettre là. Se rouler dans la bulle. Celui-là, il va gentiment venir se suicider. Il avait plus d'un point de vie, ça fait plaisir. Ouais. Je résiste à la foudre. Je résiste à tous, monsieur. Impressionnant. Bah, le premier cochon à jouer, il est à gauche. Hein. Moi, j'invite tes archers à se placer, tirer, cramer, fumer tous les points qu'on a. Il pourra pas faire demi-tour et dénage, je crois. Hein. Non, mais ça devrait aller. Feu! Voilà. Si je fais ça, je bloquerai. Oui. La flèche de base, celui-là. Le feu! Pas eu de crit. Pas mort. Hein. Est-ce que tu aurais la possibilité de bouger ton
Bon. Ton lieutenant. Le lieutenant Will qui me booste, bloque la sortie. Quelle sortie? Avec Zinlen, si, si je veux envoyer Zinlen faire une habilité. Enfin, une visée. Faire une visée en sur mais... quoi? Le lieutenant sur refuse. Le pack là-bas. Ah, mais Après, oui, je peux. Tu m'embêtes là? Bon, bah, je me mets là. Oh, bah, too late, hein. Moi, je bouge un lieutenant, je perds des points, bah, je me pose là, voilà. Voilà, tu peux aller vivre ta vie. Et puis, je voulais rester sous la foudre. Comme ça te mettait la pression pour terminer les ports. T'avais une pression, quoi. Vas-y, fais ta meilleure visée. Même pas sûr de les toucher, c'est ça le problème. Je peux même pas voir. Tu sais, c'est bon. Oh, c'est beau ça. Regarde ça. Ce sera pas le cochon qui joue, mais il ne jouera jamais, de toute façon. Trop beau, très très joli, hein. Joli crit, hein. Ouais. Oh, c'était bien, hein. C'était très joli, hein. Tu bouges Mélanine ou je l'empêche de bouger? La pression. Bah, Mélanine, non, elle peut pas aller plus loin, hein. Sérieux? Plus loin que toi, hein. Bah oui, il y a les rochers qui bloquent. Ah, donc c'est Denal qui est super mal placé depuis le début. On est d'accord. Et Denal, il est bloqué par le truc. Tu ne peux pas passer à deux. Et quoi? J'étais obligé de le mettre là pour toucher. T'es en train de me dire que là, il n'y a pas d'espace pour passer. Là, je peux pas cliquer. Oui. Pourquoi ça clique pas? Prends ma vig, tu vas voir. Oui, non mais je vois aussi, hein. Mais genre, mais parce que maintenant il y a Edenal, mais je veux dire, sans Edenal, on pouvait vraiment pas passer. Ah si, tu peux passer avec Edenal, hein. Ah ouais, donc Edenal est bel et bien mal placé, merci, ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais, mais regarde, la boue, elle va jusque là. La faute d'Edenal, et puis c'est tout. Ouais. Oh, il a bougé, mais tellement beaucoup, lui. C'est beau ce qu'il fait. Sûrement pas. 15 de volonté, un port standard. C'est beau. Ouais. Oh le bâtard, comment il s'est arrêté? Oh le petit stop qu'il nous a mis. Ah, des carcasses du port. Ouais. Et réparer des tas d'armures de gens blessés. Zinlen a été grièvement amoché. Alors ouais, je te propose d'aller récupérer la ferraille et tout. Attends, je crois que je peux faire une... Bah non, on est en surpoids, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, mais attends. Hop là. Normalement, on est léger là, non? Ah non, toujours pas. Bon bah, là toi t'es léger. Vas-y, récupère des stuff. Si, normalement t'es léger. Ah oui, je peux courir. Bah ouais, parce que je tiens une marchandise dans les mains. Les meilleures arnaques, le retour. Bah oui, c'est vrai. Tiens, bah balance-en dans le... Dans quoi? Dans le coffre, que j'en prenne une comme ça en main. Oh, t'inquiète, on va rentrer tranquille. Au pire, quoi, on sera obligé de faire des repas, c'est-à-dire de manger de la cargaison, ouais, avec nos 15 jours de bouffe. On s'en remettra, hein. Tiens, il y a des marchands, là, d'ailleurs, on peut essayer de capter un marchand. Vas-y, essaye de nous capter un marchand, là. Cours, Forest! Parfait. Might I interest you, my humble wares, my good sirs? Ah, je peux lui prendre sa répa, quand même, parce qu'on est un peu... Ouais. Un peu chaud. Ah, je... D'accord. Bon, bah, du coup, je pourrais pas. Python, techniquement, tu peux nous en fabriquer, mais bon, moi pour l'instant, ouais, il est pas. Corps,
Niveau corde, je suis un Ouais, c'est ça, peu. on est un peu dans la merde. Je vais prendre deux pitons. On n'a rien. Si, on a des cochons, des trucs, du vent. Il est où mon cochon brut? Ah, je l'ai pas Oh transformé. merde! Non, non, mais c'est pas grave. Attends. Dis-lui au revoir et campement. Ok. Hop. Comme ça. Je lui transforme ça. Hop, comme ça on lui vend du porc qui m'a dégagé du sel. Incroyable. Tac. Oh, 10, non? On a Ouais, voilà. encore tellement de carcasses qui sont en train de passer. Ouais, bah c'est. Là, on est tout en carcasse. Bon, après, on commence à avoir beaucoup de. Ah oui, putain, on a vraiment quand même beaucoup de carcasses là. Ouais, non, non, ça c'est bon. Je vais en Bah, dégager la moitié là. quand tu vois les carcasses C'est. fantômes aussi, c'est assez Les violent. carcasses mentaux, après, ça a une vraie valeur. Mais là, les carcasses de base, on en avait 28. 28, alors 28, on les consomme deux par deux. On en avait pour 14 jours à toutes les écouler. Et je viens de jeter 11 carcasses par-dessus bord. On est d'accord, ça part. Hein? Ça part. Ça part à la poubelle. On dira qu'on en retrouvera, hein, à ce qu'il paraît. Oh, vu toutes les merdes qui parcourent le monde, ouais. Oui. Alors, rien que les cochons, on en Ah, a le. tapé 11. Hein. Donc, oh, on a retrouvé un peu de place. Ah! On n'est même pas obligé de lui vendre le Ouais. cochon du coup à l'autre si on veut. Oui, ce serait dommage, hein, Ce serait dommage de perdre notre sixième jour de bouffe. de. Mais après, on peut aussi se rendre au marché, récupérer des marchandises à la place. Et donc, je peux vendre du porc. Je peux Bah, nous alléger vas-y, hein, si go! tu veux. Ouais, on va aller chercher Le seul des truc que je veux marchandises. pas vendre, c'est l'ours brut qui pèse assez lourd. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas la recette, mais que je sais qu'il y en a une, je Oh, préfère les garder sur. j'ai vu un truc de fou. Tu sais, j'ai construit le comptoir sur ma partie pour vous montrer un peu à Twitch. Oui. J'avais pas fait gaffe. Tu es taxé sur le nombre de marchandises que tu as. Oui, bah oui, c'est pour ça qu'on a dit que c'était de la merde. Oh, Quel est elle a trois l'intérêt? chanvres. Ah oui, elle les a rechargées. Ça, c'est dans la poche. Ça c'est dans la poche et ça va se transformer en corde. Et je vais avoir ce qu'il faut pour monter la tente. Alors, c'est parti. Cuir, on va en écouler. Attends, n'en écoute pas trop non plus, hein, je vais en avoir besoin. Hein, je viens d'en vendre 15, t'es dégoûté? Il nous en reste 60. Oh, ok, d'accord. Alors quand je te dis qu'on est un peu chargé, on est un peu chargé. Les côtes de cochon. Alors idéalement, faut pas tout vendre non plus parce que sinon on va se retrouver avec des gros plats. Ouais, je vais en garder 6, largement suffisant. La saucisse de loup, la même, je vais en garder 6. Raisin pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en a pas besoin, mais on va pas non plus le dilapider pour le dilapider. Les plats transformés, ce serait quand même un peu dommage de les déglinguer au milieu de nous. Quoique le ragoût, les attaques par surprise dans les bâtiments. Allez hop! Pas ouf. Bon, plus d'utilité quoi, surtout. Ah, Ça tu penses c'est qu'on bon, va aller c'est voir le ragout? passé. Je lui ai passé à peu près tout ce que j'avais besoin de lui passer, surtout. Je peux recharger des marchandises à la con sur notre dos, mais bon, ça serait pas une très bonne idée. Par contre, ce qui serait une bonne idée, c'est éventuellement retaper du sel. Ah, ou des côtes de loup et du fromage, parce que je crois que c'est des vendeurs de loup et de fromage, c'est ça? Madame, tu vends du fromage, c'est ça? Ah, du sel pas cher, allez. Vraiment, c'est parce que tu vends du sel pas cher, madame. Allez. Oui, partir, monsieur. De toute façon, au pire, si j'en ai trop, j'en revendrai. L'idée, c'est de prendre pas la pelle à sel, mais la louche, de faire des excellents plats de préférence. Tac. Pour régaler le crew. Quoi? Pourquoi je peux pas? Il est où? Ah, il faut de la bière, putain. Mais quel gros con. Faut qu'on aille à la taverne. Tavernier! Hop. Let's go to the taverne. Let's go to Hop, the hop, hop, hop. taverne. Touk. Je sais pas s'il en vend de la bière lui, hein. Techniquement, il devrait en vendre. Non, c'est du cid, Ah hein, non, il dis-donc. vend du cid, putain, la misère. Il te fallait pas de la ferraille d'ailleurs, qu'on en récupère ou pas? T'as tout ce qu'il te faut? J'en ai 9 de ferraille, mais je sais pas exactement ce qu'il me faut. Pour faire le camp? La tente, je vais aller regarder ça La vite fait. tente, ouais. Bah, je te laisse check. Hein. Vas-y, on y est. Hein. La tente, Putain, il je va suis me à la falloir moitié. du cuir. Dans la sauce. En fait, là, il va me Putain. falloir 7 de cuir et 12 de tissu, si tu as.
7 de cuir et... Alors 7 de cuir, oui je vais essayer de vous trouver ça monsieur. Ouais, je pense que dans la masse qu'on a. Voilà. Merci. Je récupère des outils, tu m'as mis des outils. Des outils, tu peux en envoyer, hein, chef. Enfin, J'ai j'ai plus rien. j'ai que Ok. ça, j'ai que ça. Et il te fallait quoi d'autre? 12 de tissu. Ah! On en a récupéré enfin. Pas mal. Enfin, on en a à force de taper tout le monde. Il nous en Ouais. reste 24 après ça. Et on a gagné un point. Nice. On regarde Alors. ce qu'on a, ce qu'on peut Bah prendre. clairement. Clairement. Là, de Clairement, faisable, j'ai clairement. le feu de camp qui est faisable. Le feu de camp qui est faisable. En plus, t'as du gré. Le gré, ça pèse une blinde. C'est C'est un peu, ça. t'es en Et train de me vendre du rêve là. voilà. Et il faudrait juste aller acheter du charbon. Mais c'est Bah pas. oui, alors juste aller acheter du charbon, c'est juste un problème parce qu'on peut pas aller acheter du charbon parce qu'il n'y a pas de forgeron. Ah putain, merde, c'est vrai. Mais oui, donc juste acheter du. Donc c'est que tu peux pas le faire. Par contre, j'ai Je trois peux charbons pas. sur moi, donc je peux déjà te fournir ça. Il m'en faut encore. Si après, avec les moyens du bord, je vois qu'il y a l'atelier qui demande que du fer et du bois, j'ai du bois, j'ai du fer, alors j'aurai pas ce qu'il Ouais. faut. Merde. Il est où mon fer? T'as combien de fer? Je te mets tout le fer que j'ai là. Attends. Si t'en as Ah! dix, c'est bon. Et bois, j'ai plus. Ah, on n'a plus une miette de bois, hein. On n'a plus rien. Non, non, j'en ai 4, mais je rappelle que les marchands, je leur ai vendu tout notre fer, donc on peut leur récupérer du Ouais, fer. on peut aller le récupérer. Budgétairement, la question c'est après, est-ce que t'as assez de bois? Non, il m'en manque 12. 6, il m'en manque T'as pas 6. de charbon du tout sur toi ou t'en as J'ai genre un ou deux? pas de charbon du tout sur Ok, moi. donc j'en ai vraiment que 3. Bah écoute, je t'invite à aller voir le marchand d'abord, lui acheter ce qu'il te faut. Ou alors, Oui. en allant chercher 2 de bois et encore du fer, je te fais ta marmite niveau 2. Moi, tu me parles marmite, je te dis oui, forcément. Eh ben on prend la Maintenant, après, c'est marmite. toi qui vois. On prend la marmite. La marmite. Ok, bah, je Ouais. te laisse gérer. Twing. Je crois que je t'ai vu avec. Voilà. Je prends que le strict minimum. On va perdre 200 crocs. Je m'excuse, hein. 200 couronnes. Et je peux concevoir du matériel de grand compagnon? Ah. C'est-à-dire. Ça veut dire que bah, Zinlen a pris 2% de chance de coup critique déjà. Voilà. Je suis à 9% grâce au métier. Et apparemment, j'aurais débloqué des plans. Bah non. C'est quoi ce. Ça sert à quoi en fait? Je Bref. sais pas. Je sais pas non plus. Je regarde ta table d'un point de vue externe. Ta ta ta. Alors, à première vue, maintenant tu vas bricoler les outils deux par deux, ce qui est quand même une bonne chose. Ça, c'est déjà le cas. Ça, c'est déjà le cas. Ouais, c'était déjà le cas. Attends, on parle de Sinon ou on parle de quoi? C'est la De table que tu viens de faire, Zinlen. c'est l'atelier que tu viens Non! d'améliorer. Regarde ta marmite. Ah, ma marmite. Réduit la bouffe de 6. C'était pas 4 avant. Si. Les recettes donnant un bonus de 30%, 30% de chance d'être délicieuse. Alors, bah, déjà, on est passé à une vraie chance d'avoir un vrai truc. Quasiment une chance sur 3. Hein. Ouais. Puis elle est jolie. Oui, bah de toute façon, les items 3 étoiles sont assez jolis. Hein. C'est stylisé, c'est mignon, Voilà. c'est. Je vais faire du loup salé. Ouais. Du coup, j'ai fait de la saucisse de loup. Hein. Rien d'extraordinaire. Parce que j'avais pas ce qu'il fallait et qu'il faut nous alléger un peu. Par contre, on a fait un exploit. Tintintintin. Artisan légendaire, compagnon ou maître dans votre équipe, tu es passé compagnon ou maître? Compagnon, il manque Félicitations. encore un stade. Et Mais si je, ça veut dire notre que si cuistot je en prends chef? 9 de critique. Putain, le cuistot en chef, comment il va devoir tartiner? Waouh. Mais attends, mais il a 10 de constitution? Ouais, ça va, ouais. Ouais, c'est pas mal. Waouh! C'est pour ça que j'aurais bien, en fait, tu vois, si j'avais su les bonus au début, machin, notre équipe, machin, j'aurais peut-être mis plutôt un lancier sur son job à lui, et lui, je l'aurais fait prendre un job qui donne de la force. Mais bon.
Parce que c'est vrai que du coup il est monté comme un tank. Mais à la limite, si un jour on veut le reroll en armure lourde, c'est faisable. Le problème c'est qu'il bougera plus quoi. Bah le truc en armure. Non, le truc okay. en armure lourde. On peut le sangler. On peut le sangler, et après c'est pas dérangeant. Le seul truc pour un guerrier en armure, c'est le truc que t'aimes pas, c'est donner riposte à toutes les cibles, à tous les alliés qui sont engagés, et inspiration à tous ceux qui ne le sont pas. Oui, bah parce que c'est un peu nul en vrai, mais oui, si les gens qui ne le sont pas, ça nous permet de gratter et de maîtriser notre terrain, c'est pas déconnant non plus. Ah ouais, tu fais ça en deuxième ou en troisième. Le truc, c'est est-ce que moi je peux balancer mes deux ordres dans le même tour? Ah oui, techniquement, je peux balancer tous mes ordres en même temps. Bon, sortons d'ici, allons nous friter. Parce que YouTube, ils attendent que ça. Hein. Ils n'attendent que ça. T'as pas repris de marchandises? Tiens, c'est étonnant. J'ai pas repris de marchandises, mais c'est vrai que par contre, on pourrait vendre un peu de cochon au passage. Que j'en ai quand même. Enfin, des saucisses de loup, parce que j'en ai refait un paquet. Oui, parce que du coup, je pensais faire des trucs machin, mais j'avais oublié qu'il fallait de la bière. Donc, tac, on revend une dizaine de saucisses, on est bien. Et marchandises, on est à 628, ça serait pas très sérieux. Et en plus, c'est que des marchandises qui valent du 45, en vrai. Je vais être sérieux, je vais rien toucher. T'as vu, j'ai été sage. Hein. T'as été très sage, c'est étrange. Attends, laisse-moi ranger quand même mon inventaire, par pitié. Parce que moi, de mon côté, l'inventaire, c'est quand même un peu la guerre. C'est vrai que je connais les emplacements à peu près par cœur de tous les stuff dans mon... Là, je fais de la gestion de crise, là, je connais par cœur mon inventaire. C'était par où qu'il fallait qu'on aille, nous, très important. Au nord, il fallait. On va donc bel et bien vers le nord. Hein. Ouais, il y a un nain en moi qui me dit jamais au nord. Faut suivre la garde. Il y avait pas une histoire d'arbre du pendu qu'on n'ait pas pu visiter parce que, en fait... Quoi? Le pendu, si on... Non, mais oui, mais on n'avait pas pu lui reparler parce qu'on s'était embrouillé avec la garde. Mais pas qu'on aille checker... Ça y est, du pot. C'est l'heure de camper. Pot. Ouais. On va se faire agresser sur 20. Oui. Là, on leur a juste dit... C'est l'heure du Tay. Désolé. Désolé, on peut pas se battre, c'est l'heure du Tay. Ils vont nous tomber sur le coin. On est à 80% de chance de se faire agresser. Est-ce qu'on les agresse ou pas? Mais non, il faut qu'on se repose parce qu'on a 30% de stats en moins. Ok. Je vais nous balancer des trucs. Vitesse de déplacement dans le monde. Du ninja guedin. Il va falloir qu'on aille très très vite faire un. Oh, c'est trop ça. Une tombe. Pour. Parce que si tu fais un clic droit sur Mélanine, tu vas voir ce que... Et que tu regardes son métier, tu vas tout de suite vouloir y aller. Je sais pas, mais je suppose que c'est fort intéressant. Oh oui. Elle suppute. Oui, oui. Donc on se met deux picoles dans le bec. Les myrtilles, c'est très rare, j'ai pas envie de claquer de la myrtille. Non, garde. Je vais nous balancer... Ah oui, des viandes de base, voilà, c'est bon, j'ai de la viande de base. Se reposer tranquillement et paisiblement. Alors, dodo. Bon, dis donc, eh. Comment ça se fait qu'on se fait attaquer pendant qu'on dort? C'est quoi sa flèche? Attends. C'est un personnage, hein. Il y en a deux. Je suis curieux de voir c'est quoi ces flèches. Je connais pas du tout le mob. Enfin, le mob. La personne. Par contre, j'ai même pas vu, il nous a même pas affiché les fenêtres de craft, rien. rien, ce sera après. Ok. Non, c'est juste empressé de nous dire, on vous saute à la gueule. Silence de duel, fraternité, les attaques des unités envers leurs adversaires engagés appliquent aveuglement. Ah! 50% de chance de manquer sa prochaine attaque. Ah d'accord. Sonneur d'élite, les unités ont rivalité quand elles sont engagées. Ouais, faut éviter de les engager, hein. Dégâts subis causés par l'adversaire engagé réduits de 50%. Hein. Faut éviter d'engager les gens, visiblement. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de... Hein? Il y a une chef là-dedans. Ouais. Et flèche, c'est juste un archer. C'est juste un archer, mais qui met 35% de dégâts supplémentaires quand la cible a 25% de sa vie. Non, 50% de... Brutalité de du chef, ils ont des dégâts augmentés de 20%. Pourquoi notre capitaine donne pas la brutalité, putain? Parce que c'est le général qui donne. Ça doit être ça. Putain, est-ce que je peux récupérer mon toto? Voilà, merci. Hop, je récupère tout le monde. Très bien, qu'est-ce qu'on a par là? Mavic, tout ça.
Je sais pas si vous voulez que je mette du Mavic devant. Ouais, quelque part, t'as un bouclier, hein, t'es un peu là pour ça. Oh. Lieutenant Will, non, tu ne sers à rien. J'aime beaucoup la torche de la fraternité. Si on pouvait la drop. Certes. Ah oh bah sur une Mavic, c'est ça serait pas sympa. Pas forcément fou. Ah si, quand même, j'ai quand même du monde. Hein. Si si, quand même. Tirailleuse. Oh brave. Voilà. J'ai un capitaine qui peut aller que de là à de par là. Mais t'es sûr de ton placement là? Bah oui, je suis certain de mon placement, pourquoi? Ok, d'accord, vas-y. Est-ce que je peux jouer Zinlen, s'il te plaît? Je vois pas pourquoi. Alors, ah bon, est-ce que t'es sûr de vouloir te placer là? Pour le moment, oui, pour essayer d'en avoir le plus avec ma zone de feu. Ah, ok, oui, ok. Parce que essaie de te caler entre les deux si tu peux avoir être au contact de Mavig et du capitaine. Parce que le capitaine, oula, c'est ton meilleur ami, hein, je le rappelle. Oui, mais lui me donne la brutalité. Donc 30, entre 5% et 10% et 30%. Ah oui. Oui, parce que tu veux pas que je joue Taurus. Parce que là tu veux jouer maintenant, mais en fait, juste pour le bouclier qui est au fond, on s'en foutait. Hein. Bah oui. La réponse c'était bah oui. Ça. C'est très bien que j'avais raison. Voilà, déjà je fais se barrer cette merde. Pour avancer. Mais t'es con ou tu le fais exprès? Excusez-moi, je me suis emporté. Je vous prie de m'excuser. Je me suis un peu emporté, mais le choix était particulièrement étrange. Pour aller me caler derrière là? Tu veux? Bah oui! Parce que la brutalité, Taurus y joue, tu l'as ta brutalité. Oui mais ça, oui, oui. En fait t'as voulu jouer trop vite juste pour un clampin qui était derrière. J'aurais pu donner la brutalité à tout le monde. J'aurais pu en faire en sorte de placer les gens comme t'avais besoin. Et ouais, oui non, j'ai mis os de barde au fond parce qu'il ne sert à rien. Mais c'est parce que je pense que c'est ce qui t'a choqué dans mon placement. Oui un peu. Mais non, c'est parce qu'il ne sert absolument à rien. Hein. C'est pour ça que je te le dis là. Hein. Mais tu vas voir, regarde, mes corps à corps ne vont servir à rien. C'est pour ça que le placement de Zinlen était vital. Mm-hmm. En vrai, le joue pas. En vrai, le joue pas. Non, s'en fout, moi je vais venir là. Je vais vous donner l'ordre à tes deux archers. Okay. Ok. Et il faudrait que j'avance un... Le problème c'est que j'ai pas le move, mais il faut que j'avance mes lieutenants parce que eux ils vont faire barrage aussi sans être en contact. Ça va être eux notre première ligne. Je vais aller me caler là avec Edenal, mon Edenal pour le moment. Edenal, son meilleur ami c'est Taurus, hein, c'est ça, ouais. Ouais, mais il est trop loin pour lui. Bah si, t'es collé à Taurus. Oui, t'es collé à Taurus. Je cherchais un bouclier en fait. Il a plus, justement, il a plus rien, il a vraiment plus qu'une hache de niveau 5, Taurus, il a vraiment R, il est à poil. Voilà. Bientôt il va se battre juste à main nue. Ça continue comme ça, tu vois. Juste un mec à main nue en fait. J'ai tué là. Oh ouais, vas-y, hein. Prends les kills, fais de la place, les autres ils ont besoin de venir s'empiler là-dedans. Voilà. Oui. Ouf, joli, très très joli. J'aurais vraiment pas kiffé à sa place. Ouf. Ok. Bah c'est beau, hein. C'est me beau, permets hein. De... Ah non, je me permets. Vas-y. Pas. Non, c'est pas nécessaire. Ou alors si, la question c'est juste si je m'engage avec ma vigue, c'est peut-être pas pour tuer lui, mais plutôt pour baisser lui. T'as encore un archer qui Tyrius n'a pas joué encore. Ouais, Tyrius n'a pas joué encore. Ok. Par contre, il y a pas mal de monde dans la... Oui, oui, mais Tyrius, vu que c'est une distance, c'est pour ça que je parle même pas de tes couteaux. Je parle vraiment juste de tes distances. Ah ouais. Je vais vraiment entrer pour tomber sa garde au max. Tomber tout ce que je peux tomber dessus. Rivalité, ça fait quoi?
Ah bah là c'est total, je suis aveugle, je vais avoir une chance de rater mon attaque. Voilà, je l'ai engagé. Déjà, ils ont Après tu 20% de vois ce dégâts que en tu moins. peux tuer massacrer là-dedans avec tirailleuse. Tirailleuse a toujours pas de meilleur ami je crois. Non, toujours pas. Ce serait bien Je vais qu'on aller la caler à résolve ça côté un jour. de. Je vais aller la caler ici. Ouais, vas-y. Parce que moi après je vais Ça. replacer mes lieutenants pour qu'ils soient un peu devant. Et en même temps au contact. Je génère un point. Ah ouais, je. Déjà, ça c'est Me sûr. doute. Et là, malheureusement, j'ai 23% de chance de toucher ma vigue. Vas-y, ça lui fera la bite. Vas-y. Comme on dit dans le milieu. Alors? C'est qui le 23% maintenant? Par contre, je vais. Tu vas. Ah non, faut que je laisse là, hein. Non, 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 non. Non, 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 tu la recules un petit peu pour laisser un peu de place aux autres, à autrui. Voilà. Je me laisse un peu d'espace. Je sais que j'ai mal placé mes deux lanciers, mais pour l'instant, il fallait absolument que je les ramène devant. Bah justement, voilà, tu vois le problème, c'est que du coup, j'ai bloqué un peu ce con. Et si je veux débloquer ce con, il faut que je passe devant. Alors, T'as pas m'excuserai, la je vais faire un course? cramage de points. Hop Oh, là. vas-y. Voilà, je suis devant. Est-ce que je suis bien placé? On va se serrer le plus possible par là. Ouais. Bon, il me reste du mouvement, donc en vrai, on peut aussi avancer. Bonjour, je mets ici. Vous connaissez, tu recules? Voilà, c'est un ogre. Très gentil d'ailleurs. En vérité, hein. Oui, En il est très vérité, je vous le sympa. dis, il est Très plutôt aimable et sympa. très poli. Alors, moins avec les ennemis de l'empereur, mais. Bon, alors lui, j'en ai un peu peur quand même. Ok, d'accord. Grand bouclier. Réponse, grand bouclier. Ok, ça va. Alors, moi je vois un paquet d'ennemis là. Je vois un Ouais, paquet d'ennemis mais. là. Je vous jure, ils ont pas l'air sympas. Non, je déconne. Non, moi mes gars, ils sont pas très bien placés. Je sais pas si ta Sophia peut essayer de mettre son ordre sur Stevion et Lieutenant Win, mais ce serait pas mal. Stevie et Justement, ouais, là Lieutenant où tu Win. veux te caler, je pense que ça passe. En me mettant plus là, oui. Ouais, Attends. Attends, mais en te mettant je peux derrière avoir. Zinlan. Parce que pareil, Zinlan, il a pas d'ordre sur lui. Et donc là, ça serait bien que ce trio l'ait. Parce que techniquement, c'est eux qui vont tout bouffer. Hein. Ils vont manger tout le monde. Hein. Est-ce que je peux dépenser des points maintenant? Bah t'as 4 points, mais pense que Zinlan, faut qu'il pose une zone à 2. Les lieutenants, faut qu'ils posent une zone à 2. Alors, Stevie, lieutenant Will a déjà joué. Après, si tu veux tuer le ravageur, on est tous très d'accord. Hein. Ça peut se tenter. Oui, ça se tente carrément. Oui, ça s'est fait. Hein. Ça s'est fait. Et attends, où est-ce que je peux aller me caler? Bah, à un Tu endroit où peux ils te iront tous ranger chercher derrière ma l'épée. vigue. Hein. Ah, je suis derrière ma vigue, ok. Tu peux te ranger derrière ma vigue. Et la pauvre petite Il louloute faudra que je là. fasse une course avec Will, mais tu peux te ranger ouais, à cet endroit-là. L'idée, c'est de La vraiment pauvre foutre petite les lances louloute. devant là. Et Elle ne sert à rien. toi, après, ton objectif, c'est de tuer la flèche. Ouais. Ils sont très généreux quand même d'aller se jeter dans les flammes C'est de clair. l'enfer. Suce à l'ennemi! Je vais apporter du soutien psychologique à Tyrael, je suis sûr que je suis son meilleur ami. Dis que je suis ton meilleur ami, toi. Ouais. Voilà. Mais il Et est le dernier, glorieux. c'est la flèche. T'as eu la gloire à côté de toi, t'as gagné un point. C'est très beau tir, je kiffe. Ne tue pas la flèche. Garde-le vivant. Est-ce que tu veux que je mette directement une zone de flamme sur la flèche, les deux petits Le points qui prochain restent? jouet, non, il est au fond. Donc Ouais. vu qu'il est au fond, Vas-y. je voulais placer Will. Vas-y, vas-y. Will Sorin. We will Will, rock you. Will, Will. Bah déjà, voilà. Ça te facilitera déjà le travail, hein, si jamais. Ouais, Voilà. j'ai eu un gros bug, il en a posé que deux. Je me suis dit, y a Non, arnaque 3, là. 3, 3. 3, ça s'est bien passé. Hop, je passe mon tour, je rends mes 2 points. Parfait. Il a pas marché dans le feu. Oh, le niveau de dissidence. Et là, effectivement, bah, place un Zinlen. Alors, je ne peux pas faire mieux, je m'en excuse platement. Hein.
Là, t'aurais dû te mettre à côté du capitaine. Il est vrai, j'ai encore oublié. J'y vais dès maintenant. Tu peux zoner comme un gros sac. T'es royal au bar. Et en plus, en dégageant la place, moi, je vais pouvoir avancer. Oh, attends, ça c'était un tir de base. T'as mis combien? T'as mis combien? 134. Ah, c'est joli. Ça veut dire que si j'ai ma rage là, tu vois, avec tous les trucs que j'ai fait, normalement j'ai 14 de rage si j'améliore le truc. 14 de rage. Confirme-moi bien que tous tes persos ont le bonus de Taurus là. Oui. Ok, je vais juste avancer Taurus pour que tu puisses coller ses meilleurs amis dans son. Autour de lui là. Bah, si tu peux les coller là. Je vais les mettre là. Ouais. Tac. Au plus proche, ouais. Bon, cette ligne, hein, ce vous ne passerez pas là. Ouais, tu peux ramener des nalles là. Si tu veux t'amuser à tirer là-dedans. Parce que ça serait bien que tu fasses reculer le monsieur qui va jouer. Pas sûr qu'il recule en vrai. Voilà. Il est tombé. Il est un peu tombé. Il triche. Hein. Je peux dépenser un point. Hein, oui, ouais. Oui, vas-y. Hein. En plus, t'en génères deux donc vas-y. Hein. Voilà. La rage de nains. Tu vois, c'est vachement plus rentable la rage sur Zinlen parce qu'il a un arc qui tape en zone. Hein. C'est clairement trop fort ça en plus. Je me sens un peu oppressé avec Sophia. Mais tu la laisses ici, c'est pas grave, tu avances tirailleuse. Et tu la mets donc derrière son lieutenant préféré, etc. Et officiellement, elle fait partie des tanks puisqu'elle est vraiment entourée de tanks. Elle est sur la ligne des tanks hein, quand même. Hein. Enfin bon, après les tanks, tout est relatif, mais bon, elle est quand même dans la ligne des gros closes. Alors que Mélanine, tu vois, elle tire sa place de coutelière, genre elle est derrière, oh, tranquille, ouais, tranquille, hein, pas trop vite, pas trop fort. T'as pas joué avec Tyrius? Non, j'avais pas la portée. Bah on est plein de points, hein. Tu déconnes, elle aurait pu en profiter. T'aimes pas Tyrius, hein. Tyrius, Mélanine, tu les aimes pas, hein. T'adores ton Zinlen qui est consommateur de points, qui a malheureusement une poisse de dingue. Ouais. Ça s'appelle échec critique. Par contre, moi j'ai un pactole là. Attends, bougez pas. Là, t'as envie. Petit massage des côtes là. Mais qui n'aurait pas envie, hein? Moi je suis désolé, mais là, qui n'a pas envie? Moi il y a marqué que je tue tout le monde là, ou presque. Ah bah oui. Sans réussite critique, sans rien, il y a déjà Tirailleuse et Sophia qui sont morts. Ah, et Zinlan aussi. Et Denal, bref. Bon, vas-y, je vais rien faire. N'est pas très coopératif. Elle va pas bouger non plus. Terminé, hein. On va leur laisser. On va leur laisser la plus belle initiative. Le capitaine, il bouge pas. C'est un tir de base, ça, par contre. Ouais. La rage, 5% de dégâts. Là, c'est 40% de dégâts supplémentaires. Plus 30%. Ouais, t'es bien là. Hein. Le capitaine, il est en vacances. Vous repasserez plus tard. Salaud. Il a abîmé nos armures. Bah, celle de Stevie, hein. Qu'en prend décidément, mais plein la gueule, hein. Genre, ouais, ça devient personnel, hein. Ça devient personnel, hein. Je me déplace, hein. Into. Je vais y aller avec Sophia, je vais les... Non, t'inquiète. Mais non, pas besoin de bouger, hein. Ils vont crever dans les flammes. Nos points sont là pour ça. La tactique ne bougera pas. Vous ne passerez pas. Terminé, hein. Là, tu vois, j'ai vraiment l'impression de voir 300 en mode... Oui, mais j'ai exactement la réflexion que je suis en train de me faire. On veut dire, on est des il nous manque plus que le bouclier rond, mais on est des spartiates, hein. Non, il y en a là. Si t'as des persos, d'ailleurs, qui n'ont pas joué, cool tes actions, hein. Parce que là, il n'y a personne qui bouge, hein. Zinlan, s'il veut remettre une zone, tu remets une zone. Je sais pas qui a pas joué chez toi, mais là, cool les tout, hein. Non, on attend le suicide, hein. Oh, tu replaces ta zone, tranquille. Je gâche pas une action. Ah, autant pour moi. Pardon. Hop, ça c'est dans ma poche. Ça c'est dans ma poche. J'aime bien la... La grosse masse, sérieusement. Pourquoi tu tombes pareil? Ça a l'air de te concerner, ça. Alors, le gros marteau, qu'est-ce qu'il raconte? C'est un marteau à deux mains avec plus de 20 en force. Il a massacre, il affiche 70% de dégâts de force à toutes les unités dans la zone, donc dans une zone de 2 mètres, les dégâts sont augmentés de 50% si cette unité est engagée. C'est pas trop mal. Ouais, mais c'est pas si ouf que ça au final. Bah le problème c'est que j'en ai déjà une à plus 27 qui est déjà de la merde, alors à plus 20 ça s'appelle rétro-pédaler. Ouais.
Donc je te l'ai mis à la désos, si jamais tu veux. Je pourrais pas la désosser tant qu'on n'a pas monté le... On va partir à la vente, niveau... t'inquiète. L'atelier niveau 2. Elle partira de quoi payer les hommes. Ouais, c'est ça. C'est pas... Et c'est les femmes. Ah oui, mais selon le lieutenant, ce sont des hommes, en fait. Mais bon... Ouais. C'est d'un point de vue du lieutenant. Ah, l'atelier niveau 2 est intéressant à aller chercher. Aussi. Garde, moins 17. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai une garde à combien? À 10... Elle a pas de garde, cette armure? Ah, c'est du crit à 4%. Ah, mais c'est une armure légère. Excusez-moi, monsieur. C'est pour vous, ah, ça. Ah, oui. Intéressant. Ah oui, bah surtout qu'il y a deux emplacements de renfort d'armure possible dessus, il y a moyen que ça t'intéresse beaucoup. Ouais, et ben... Oh, Griseldorf monte de niveau. Plan de carrière de Griseldorf. Griseldorf, tu es un mulet. Bravo. Voilà, Griseldorf est officiellement mulet. Je peux gagner 1%... Attends, bon, on verra ça après. Voilà. T'as besoin de matériaux, de... Brut ? Non, je vais la garder comme ça pour le moment. Ok. Mais t'as... tu récupères pas les renforts sur tes gars J'ai que une seule personne qui a des renforts sur son armure, c'est Zinlen. Oui, c'est celui que j'étais en train de regarder. Mais tu voulais pas lui mettre sur... C'est moins intéressant que ce qu'il a ? Ah oui, 6% de critique, ouais. Bah c'est intéressant d'enlever. Ah oui, mais les 6% renforts. De critique parce que 3% de crit. Bah ouais. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant. Bah pourquoi mais tu... le problème... Bah tu me montres où on a des renforts toi. Des renforts. On n'a pas de renforts, on n'a pas de pièces détachées. On en a quasiment pas, on n'arrive pas à réparer nos armures donc... Ah matériau brut. Mais c'est pour ça que je te disais, je t'en file un. Ouais mais il en faut deux. Pour récupérer un ou pour en récupérer deux? Pour en récupérer un. D'accord. Mais t'en as pas craft là du coup? Ça a suspendu tous nos crafts cette attaque? Il n'y a pas eu de craft de fait. Ah c'est pour ça, bah je te le laisse en attendant. Mais ouais bah après bon, l'armure a l'air quand même cool hein. Oui. Tac. Ouh des champignons. Oh de la verdure. Oh, ah non c'est pas des champignons c'est du métal. Oh un marchand. Par là. Oh la chasse sauvage. La chasse sauvage. Ah putain, il y a des flics avec Ouais, on se part. Non, attends, on peut aller checker cette forêt là, visitons. D'ailleurs, on n'a pas fait un objectif là. On a plein d'objectifs qui sont derrière cette forêt hein. Oh, regarde, tribunal de cailloux. Tu connais toi le tribunal de cailloux? Ah non, ça peut être sympa. Bah alors, allons voir le tribunal des cailloux. Bonjour les cailloux. Cet épisode est beaucoup trop long. YouTube va se régaler. Ouais, bah... Oh là. Il y a des gens. Alors déjà, est-ce qu'il y a du loot autour des gens? Genre une menthe, du chanvre. Genre beaucoup de chanvre. Vous auriez pas 2 kilotonnes de chanvre? Vous arrangerez non, là un petit peu. Pas. La corde qui est l'objet le plus rare du jeu. C'est ça, ouais. Alors le juge, qu'est-ce qu'il nous raconte? Laissez-nous, mercenaires, nous sommes en train de préparer une séance de justice. Un soldat d'Alazar s'est introduit dans notre territoire, et c'est très sérieux. Eh, soldat, PTDR, t'es qui? L'homme tremble de peur au fond de sa cage, les juges semblent ne pas lui accorder beaucoup d'attention. C'est vrai qu'il a l'air d'être en manque d'attention, quand même. Juge Arès. Nous avons trouvé cet homme seul, au milieu des corps démembrés de ses compagnons. Certes. Impossible de dire ce qu'il faisait là, mais ses vêtements parlent d'eux-mêmes. Les étrangers d'Alazar ne peuvent pénétrer en Arrax sous peine de mort. Des gens très... Oui, bah écoute... Bah des bisous, hein. Ça a l'air de vous éclater, hein. Ça a pas l'air d'être notre problème, visiblement. Y a des trucs récupérables par là. Ah oui, attends, faut aller faire les fonds de poche. Hein. On va où ici? Attends. Ici, je peux poser un crochet de l'arnaque? C'est sûr que oui. Hein. Oh, le jeu, il me regarde, il m'a dit, attends. Ça va jusqu'où? Jusqu'en bas, là. Si on peut arriver, on peut ninja des moustiques, si on veut. Non, je m'en fous. Tu regardes, hop! Tac, into la plante. Tac, into la corde. Tac, ah, la corde! Tu m'as pas suivi, Schneid, t'étais pas prêt. J'ai miscliqué la corde, et tu n'étais pas prêt. On peut dire des bisous à YouTube, hein, sinon.
Des bisous YouTube.